que ça soit beau, que ça ne soit pas beau, on n'a rien à foutre avec. Les vrais gens ne s'asseyeront pas pour regarder cette vidéo. Les gens n'ont pas le temps, en fait. On a vu les nudes ici. La fille de Dikor Sekondo, on a vu ses nudes. Les filles ivoiriennes, les influenceuses, on a vu leurs nudes. On n'a rien à foutre avec. Si tu continues à t'attaquer à Dana, même si vous aviez mangé sur la même table, tu vas très mal finir. Il y a des gens qu'on n'emmerde pas. Stoppez, arrêtez d'embêter cette fille. Le Phénix et Princesse, ce sont ses petits frères. Mais ce sont ses soutiens. Mais si quelque chose arrive à Dana, je viens vous avertir déjà. Parce que vous pensez que l'affaire là, c'est seulement dans les réseaux. Vous allez mal finir. Si quelque chose arrive à Dana, vous n'allez pas aller loin. Donc, vous calmez le jeu. Vous vous respectez. Faites vos clashs, mais limitez-vous à ça. Parmi vous, vous prenez les photos, vous prenez les noms, vous faites des choses. Vous ne pouvez rien contre cette fille. C'est moi qui vous dis. Son cordon ombilical là, ça a été enterré, vous ne savez pas où. Vous ne connaissez pas la fille là. Moins un, elle sortait déjà en vampire. C'est parce que les gens de Dana ne sont pas dans les choses bizarres. Est-ce que vous connaissez qui est Dana? Dana peut vous terminer seulement avec la parole. Vous pensez que c'est seulement qu'elle est dans les lives, elle parle, parle, parle. Vous connaissez Dana pour de vrai? Dana peut vous terminer avec la parole. Si elle prend votre nom là pendant plusieurs jours, vous allez recevoir les attaques chez vous. C'est moi qui vous dis, elle est là, si elle pense que c'est faux, elle a dit que c'est faux. Ne jouez pas avec elle, en fait. Insultez-la, faites ce que vous voulez faire, mais vous vous calmez, parce que cette fille est capable de faire en sorte que votre vie soit un vélo. C'est moi qui vous dis. Arrêtez de l'emmerder. Laissez le Phénix tranquille et laissez Princesse Dessouba tranquille. Princesse Dessouba, c'est déjà une fille qui n'est pas simple. Elle a beaucoup de soucis et elle est très forte et elle ira loin. Les trois personnes que vous voyez là, dans moins de 7 ans, 8 ans, les trois personnes que vous voyez là, parmi eux, il y a quelqu'un qui va être dans le gouvernement. Écrivez, gardez. Vous parlez aux gens, vous ne les connaissez pas. Toi, Danger, on va t'envoyer le live. Je vais terminer par là parce que c'est toi. Il y avait déjà une tête, mais tu es allé t'associer avec cette tête-là. Tu vas laisser Dana tranquille. Parce que je vais sortir un jour pour faire un live à visage découvert. Tu vas laisser Dana tranquille. Tu vas te calmer avec Dana. C'est pas ton enfant. Va t'occuper de tes enfants si tu en as. Tu la laisses tranquille. L'amitié, c'est pas forcé. Tu as fait ce que tu as fait. Elle a su. En fait, tu fous le camp de sa vie, en fait. Tu dégages. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. C'est pas à plus de 50 ans que tu vas chercher à vouloir venir avoir l'argent. Qu'est-ce que tu foutais il y a longtemps, en fait? Tu vas t'associer avec des enfants pour faire du mal à Dana. Dana, si elle veut te détruire, elle va te détruire. Jusqu'à là, elle se retient même encore. Tu n'es rien, tu es zéro en fait. Donc, je vais terminer par là. Mais arrêtez. Laissez le Phénix tranquille. Laissez Dana tranquille. Si parmi ces trois-là, le sang de quelqu'un coule, vous n'allez même plus dormir tranquille. Bien sûr. Je vous dis déjà, vous qui êtes là dans les lives, oh Dana, la photo, machin, les Maeva, tout ce monde-là, si Dana, si le Phénix ou Dessouba, s'il y a quelqu'un que son sang coule, qu'on dit qu'elle est décédée, parce que vous êtes capable même de l'empoisonner, de les empoisonner, vous là, on vous connaît. Vous avez déjà fait ça avec Jonas Moulenda. Ça dit, vous êtes tellement bête que le clash pour vous, vous avez dépassé les limites. Mais si le sang de un de ces trois-là coule, vous là, vous n'allez pas rester sur terre. C'est moi qui vous dis. Parce que nous qui ne sommes pas de leur famille, on ne va pas laisser. Vous pensez que tout le monde vient dans les lives seulement pour faire l'amusement, pour rire, pour rigoler? En tout cas, moi je descends. Continue avec leur sang. Ça vous regarde. Merci. Merci beaucoup, Claire de Lune. Que Dieu te bénisse. Monsieur Lévané, elle a dit quelque chose parce que depuis qu'on a commencé à parler le problème, la petite là est tombée malade. J'ai senti quelque chose à partir de la semaine passée. C'est ça pesait sur mon âme, ça pesait sur mon esprit. Je méditais et c'est comme je fais comme de la méditation. J'ai senti comme la peine de l'âme du Phénix est en peine. Et au-delà de ce qui s'est passé, il y a une personne, et je vais te parler avant de donner la parole. Tu sais, Désirée, tu n'es pas une mauvaise fille. Tu n'es pas une mauvaise fille, mais tu es influençable. Parce que de toutes les personnes qui étaient réunies dans le Pentagone,
tu es celle qui pouvait sentir les choses. Tu savais, tu as même prophétisé ça en disant, un jour, ils vont nous. Et puis tu as coupé. Tu voulais dire, ils vont nous attraper. Mais attraper là, c'est ça que tu n'as pas prononcé. Et ce que cette fille vient de dire, il y a des choses dans la parole. Et c'est parce que tu n'es pas appelé à faire les mauvaises choses que le karma là t'a pris. Bim! Tu es celle qui a fui. Les autres restent. Hein. Maïva, elle a les vous. Les fonds là, le makaga là dans le ventre. Mais tu es rentré, répands-toi. Parce que tu sais ce que je dis tous les jours. Dieu et le diable ont été témoins. Tu rêves même. Tu es une faiseuse de rêves. Le phénix a dit ça. Tu vois des choses. Et tu avais entendu la voix de ta conscience, ton juge d'instruction. Tu savais. Peut-être que tu es rentré dans ça parce que tu avais besoin d'argent. Répands-toi. Tout ce que tu as eu au travers de cette organisation, partage ça. Sépare-toi de ça. Moi, j'estime que karmiquement, ça va limiter les dégâts. Vous avez fait du mal à une maman qui a des enfants. C'est-à-dire que vous ne savez pas. Tu es maman, non. Tu as une gestation en toi, la vie humaine. Il y a quelque chose qui me fascine énormément quand j'appelle princesse. Parce que moi, je n'ai pas eu cette particularité avec mon fils. Parce que quand mon fils est né, ma maman l'a appréhendé. Le fait que je sois enfant unique. Donc, je n'ai pas eu cette complicité. Princesse dort avec ses enfants. Ça veut dire que chaque fois qu'elle est heureuse, elle donne des énergies à ses enfants. Et toutes les fois qu'elle est malheureuse, elle leur transmet cette énergie. Vous avez pris cette fille en otage. Bon, Danger, je pouvais tout imaginer, mais quand j'ai vu le message, la capture d'écran, où tu prononces princesse. Danger, princesse est sortie dans ta bouche. Tu es père, tu es frère, tu as tes sœurs, tu es oncle. Cette fille, elle a des petits-enfants à bas âge. Tu l'as rendue malheureuse. C'est à cause de ça. C'est à partir de février que ta femme dit qu'elle t'a laissé. L'ongwa Barissa t'a pris. Parce que Dieu, même ton père, a été témoin de ces choses-là. Ne sors pas demander pardon. Suis yeux de foule. Tu connais le phénix. Tu le connais bien. Si tu le connaissais bien, tu allais savoir que c'est un enfant qui est travaillé, en fait. Il a une culture, c'est un héritage, c'est un enfant. Moi, je vois le phénix à travers les yeux de sa mère. Si vous regardez la photo de la maman du phénix, elle est très charismatique, cette femme. Nazi, tu as prononcé la mère du phénix, tu la connais? Si tu la vois face à toi, elle va t'emmener au tribunal. Elle va te soulever. Tu verras. Elle est grande de taille. Je ne l'ai jamais vue hein, en vrai. Mais je la vois dans les vidéos avec ses fils. Elle est castable comme une des vraies femmes fans du Nord. On dit un géant d'arnaque. Tu parles de cette femme. Nazi, tu vas passer des moments difficiles parmi tes semblables, sur la terre des hommes. Tu vas marcher comme Caïn. Tu vas chercher la rédemption auprès des gens. Tu vas confesser avant de partir. Parce qu'on t'a amené dans un truc de sorcellerie. Je m'arrête par là. Mais laissez Souba. Laissez cette fille. Elle a des enfants à bas âge. Je répète encore. Doukis. Tu te lèves et tu traites. Moi, mes petits-enfants, des enfants bâtards. Il n'y a aucun bâtard. Nous sommes des sudistes. Nos enfants dans le sud appartiennent à la mère. Ce sont nos enfants. Même étant nés dans le mariage, nous sommes matriaka. Ce sont les enfants de Mpungo Mbela Soko. Wayura. Je vais faire un jeûne sur toi. Tu comprends ou non? Je vais me concentrer un peu sur toi. Je vais jeûner
pour toi, Lukis. Toutes vos... Tu sais pourquoi je vais gêner pour toi? Parce que tu as été la pierre angulaire. C'est sur tes lives constamment où s'est passée cette conspiration. Tu es la paix, la pierre, tu es l'émanation, la source, la substance d'origine de ce mal. Lukis, on va jeûner pour toi parce que on connaît l'adversaire qui est face à nous et c'est d'aller traverser l'autre côté, tu t'en vas de l'autre côté là où Ivan disait que tu pars souvent. Va, on va t'enterrer. Parce que c'est la chicotte que Dieu t'a mise là. Quand t'as une million, t'as attrapé. Insiste. Tu as vu cette femme là. Regardez la femme dont Nazi parlait. Regardez-la bien. Regardez l'image de cette femme là. Elle ressemble à une personne de qui Nazi peut parler. Mais écoutez, si c'est ri, elle ressemble vraiment à quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Regardez cette femme. Je la regarde depuis des années. Elle a du caractère. Et Nazi, je me suis levé à cause d'elle. Parce que j'ai vu un peu que tu partais où tu ne devais pas aller en fait. Je vais vous donner la parole à ma cadette. Ma cadette, parce que mes aïeux viennent de chez elle. Même si je suis fâché avec elle, c'est une fémane, mes origines viennent de chez elle. Vraiment, c'est ton Dieu, cet enculé-là. C'est le fait mal son cul. Mais attends, ça c'est quelle arrière-grand-mère? Permettez-moi. Bon, ça tout le monde. La grand-mère, les deux grand-mères de ma mère, les deux grand-mères reviennent de chez celle-là. C'est une salope. Parle, on t'écoute. J'ai dit, Dana, bonsoir. Oh, princesse, tu as chié tout à l'heure. Elle m'a lavé. Elle m'a lavé. Tu as eu, tu mérites. On faisait notre guerre ici, la seule entre opposants et pélagistes. Vous les miennes, vous êtes allés chercher les Libanais. Non, attendez d'abord. Dana, on faisait nos guerres ici. Toi et moi, on s'est clashé en politique. Pareil pour Princesse. Parce que Princesse, je connais Princesse, elle a plus de 15 ans, on est meilleurs amis. Donc, Félix, c'était chaud, lui et moi. Chaque fois que je lui demandais un panel, il m'attaque. La pélagiste, parle ici. On faisait nos guerres seules, nos clashs. Les miennes, elles sont allées chercher le Libanais. Vous avez vu, non? Comment on dit que c'est vous qui avez vendu le pays, le Libreville, là? Vous allez vous fâcher, les gens. Le Cotier va monter, répondre. Le Cotier va monter, répondre. Mwanga va rigoler là-bas, à mon cœur. Donc, on faisait la guerre ici. Dada, tout le monde peut se clasher. Le matin, le soir, on dort au téléphone. Il n'y avait pas, on n'avait pas cette haine-là. Oui. Au Gabon, tout le monde est parent quelque part, ce qui fait que la méchanceté gratuite ne paye pas. Moi, je ne parlerai pas de votre guerre avec ces petits parce que je n'ai pas suivi le début de l'histoire. Mais il n'en demeure pas moins que j'avais la dogue parce que je suis à tour de contrôle. Parce que Danger était notre indic du PDG. Celui qui n'est la dogue des opposants. Ce qui est sûr, c'est ça. Dja, je ne savais pas que même moi-même, Danger m'avait mis de la sauce. C'est ma mère avant. Mikolos, maman, suis-nous. Tu as vu les grandes mères qu'elle a là? Imaginez si elle attrape Nazi là. C'est ma mère avant. Elle va le dépomper. C'est ma mère comme ça là. Donc, ce qui fait que on était dans nos guerres pédégistes. Opposant, diaspora, c'était bien. Mais les miennes est toujours vous vendre le pays. Je ne sais pas si c'est un complexe de la peau. Je ne sais pas si c'est la peau. Mais il n'est pas blanc, il est arabe. Wesh, quel débat ça. Et ce qui me choque, c'est que Danger a donné l'opportunité à ses enfants de manquer de respect aux personnes avec qui il est. Et ce qui est bien, c'est que Dana. Je vais pas encore revenir, c'est vrai que je vais pas mettre de côté là-bas. Tu as eu. Parce que je suis celle qui t'avait averti il y a 3 ans. Que lui-là, fais attention. Je t'avais dit que Dana, tu m'as dit non, c'est mon grand frère. J'ai dit Dana.